Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. De l'élevage. Du tout. Parce que ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Alors, là, vous pouvez voir, c'est ma Pékin. Elle pond. C'est mort. C'est toi qui l'as pondu ou pas? Ok. Un œuf. J'en ai déjà eu 4 ce matin. Elle pond, elle couvre pas. Après, voilà. Il n'y a plus de poulailler là-bas. J'ai dû le détruire pour le boulot de ma mère. Voilà. Bon, de toute façon, c'est pas grave. J'ai une autre idée. Vous voyez là-bas? Il y a des tôles. Attendez, je m'en vais. Si j'ai donné 2 poules à mon ancienne nourrice. Voilà, parce que. Elle avait plus qu'une poule, sa chienne, elle avait tué de ses 2 poules. Et dites-moi, vous avez le droit de regarder. Dites-moi, pour vous, c'est laquelle de poules qui manque? Je vous laisse deviner. C'est 2 poules qui ont déjà eu des poussins. J'ai pensé, là, c'est un abri, et tout est abrité, bien tout, c'est pas humide. Vu qu'il me reste une tôle. Je la mettrai là où il y a le grillage là. Je fermerai. Je ferai juste un endroit pour que la caisse là-bas en bois. Et pour que la caisse là-bas en bois elle passe. Et au moins ça me fera un porqueur pro dans le parc. Voilà. J'ai mis ça là. Et voilà. Parce que l'eau elle tombe comme ça. Ça fait longtemps. J'ai mis un os là-bas, mais je sais pas si c'est un truc. Bon, on se retrouve. Bah non, on se retrouve pas. Je vais poser une ellipse. Du coup, il y a les pékins qui sont là. Et à votre avis, pourquoi j'ai 2 poules en. J'ai donné 2 poules. C'est que. Si tout se passe bien, que mon père change pas d'avis, demain, ou dans pas longtemps, on va avoir un couple de Brahma. Brahma grande. Hein. Je sais pas encore quelle couleur, voilà. Alors du coup, mon coq maintenant c'est bon. Il se fait plus dominer par la poule pondeuse. Et vu qu'on va prendre un coq quand même assez grand. Au début, je voulais donner la poule pondeuse, mais après, on a décidé que faudrait mieux la garder parce que si le coq Brahma il coche les petites poules, je pense que là, il y aura un problème. Voilà, il y a l'eau. Du coup, il n'y a plus de poulailler, il n'y a plus rien. Il n'y a que celui-là. Et voilà. J'ai mis ça comme ça. Je sais pas si vous avez fait attention, mais aussi l'aménagement il a changé, voilà. Avant la caisse en bois, elle était comme ça en longueur. Il n'y avait pas de caisse sur le dessus. Il y avait les caisses elles étaient tournées. Il y en avait 3 en longueur là et une sur le dessus. Et il n'y avait pas de tôle là. Il y avait. Ah bah regardez, il coche à une la poule porcelaine croisée. On va aller voir la messe. J'espère qu'il va y avoir un truc. Non. Un indice, c'est la sœur à elle. Pour les poules que j'ai données. Elle et elle. À vous de trouver après. Hop, je ferme. C'est là que je vous parle. Je mets une toile là. C'est pas tellement mieux. C'est bien vu que c'est pas tassé en fait. Elles ont pas tout le temps. Il y a aussi le morceau de palette là pour que c'est les pâtes secs. Alors dans la nasse, il y a rien. Pourtant, j'ai plus mis de blé, des pâtes quoi. Voilà. Hop.
faut voir. Hein. Le grillage là aussi. Vous avez remarqué aussi, il y a plus de trou de rats là. J'espère que j'en ai plus. Voilà. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis partout. Regardez. Ici en fait elles sont à l'abri. Faudrait juste que je mette une tôle là. Et vu qu'elles sont à l'abri avec les haies, c'est bon, c'est tranquille quoi. Faut juste que je mette une tôle là. Et pour ça faut que je fasse une petite faut que je coupe comme là. Je fasse des. Un trou quoi. Parce que la tôle elle galère à chaque fois. Il n'y a plus d'air aussi. Voilà, regarde un petit peu. C'est celle-là qui l'a coché le coq là. Je les ai lâchés hier aussi les poules. Je leur lâche là. Je sais pas si elle a pondu ou si c'est notre poule qui a pondu. Voilà, je les lâche. T'as pas intérêt à le temps chanter sous la fenêtre toi. Une brique, il y a le trou de l'or encore là. Je vais la brique. Attends. Hop là. Et il y en a quelqu'un qui m'a demandé, je sais plus, excuse-moi, de chercher le nid de rat. Mais le problème, c'est que il doit s'enfoncer vers le milieu de la dalle de la cabane. Mais je pense que le milieu de la dalle. Ça doit faire un bon 6 mètres. Regardez. Un bon 6 mètres. Voilà, ça fait ça. Et voilà quoi. Si je dois creuser au milieu de la dalle, je suis pas sorti. A votre avis, c'est un œuf de poule Pékin ou pas? Ma fille. Attends. Un œuf de poule Pékin ou pas? Il est tout doux et tout. Tiens, je te le mets là. J'aimerais bien qu'il y en ait une qui couve. Au moins, vu que elle, je sais c'est quoi ses œufs. Je mettrai un P dessus. Hop là. Du coup, il y a les poules qui sont parties là-bas. Okay, là, je vais les sortir 5-10 minutes parce qu'il y a mon père qui dort. Et voilà quoi. Ils s'entendent tous bien, c'est l'harmonie. Le coq il a déjà coché à peu près toutes les poules je crois, sauf la grosse. Qui est un petit peu galère, hein, je vous le dis. Ils sont partis là-bas pour se désinfecter. Ah, il fait froid là. Normalement, de toute façon, si je ne sais pas, vous aurez une vidéo dedans. La plus vieille, c'est celle-là. Après, si elle look tout faite là. La poule noire avec sa touffe là. Après c'est normalement si je me trompe pas c'est elle. Non, c'est pas elle, c'est les deux là-bas là. Les deux. Là-bas là. On a trois. Et après c'est elle et après c'est elle. 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 Et l'autre. Et lui. Lui c'est le plus jeune. Là, j'ai bloqué. Avec du grillage parce que il y a ma poule pondeuse qui s'en va et qui me fait un désastre pas possible dans la lait. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye tout le monde.